La médaille la plus jeune sera remise par Jean-Pierre. Il s'agit de Amandine Jacob. Malgré son âge avancé, elle est toujours parmi nous, c'est notre grand-mère à tous. Il s'agit de Mamounet, c'est Jean-Michel qui va lui remettre sa médaille. Alors nous allons passer à présent au J, toujours pour le plus fidèle des Gilles et le plus jeune qui vient de rejoindre la troupe. Alors, pour le plus jeune, c'est Françoise qui va lui remettre sa médaille. Il s'agit de Iliane Joss-Kivron. C'est le plus vieux, allons-y, cette année-ci, je me lâche. Ça fait des années qu'il est là, qu'il est fidèle, qu'il dit ce qu'il a à dire quand il a à dire. Et sa médaille va lui être remise par une aussi de nos anciennes et fidèles membres du conseil communal. C'est Ginette qui va remettre la médaille à Roger Mars. Ouh, papy! Alors, les médailles de 5 ans, et il y en a beaucoup, hein. Ça veut dire qu'elles aiment bien faire le paysan. Hein. Ouais, ouais, ouais. La première médaille, c'est les médailles paysan, le président. Tu veux bien, président? Tu veux que je prenne quelqu'un dans l'assemblée? La première, 5 ans, Chloé! La deuxième, Victoria! La suivante, Zoé! Ouais. Alors la suivante que j'ai écrite, il faut que quand même que je vous dise quelque chose. C'est pas bien. J'ai dérogé aux règles. On avait dit que les paysans, c'était jusque 12 ans si on était un garçon. Mais voilà, mon petit cœur de maman et de paysan et de femme a accepté que mon ami Hugo passe le paysan encore une dernière fois pour ses 5 ans. Et je vous ai dit, il y en a beaucoup. La suivante, Rachel. Et dans la même famille, au ramassage, où j'ai de la marée et tout, Solène. Dans la famille la plus nombreuse des paysannes, où il y a vraiment un ramassage de feu, c'est pas moi qui le fais, mais c'est comme ça. Gabriel! Et il a que 4 ans, mais il a 5 ans de carnaval. Et oui, il y en a d'autres comme ça. Et alors cette année, sa maman ne fait pas le paysan parce qu'elle n'est pas bien, elle ne veut pas le faire avec nous parce qu'elle ne veut pas voir. Et j'appelle Louise. Bravo les filles et les garçons pour leurs 5 ans. On arrive à 10 ans. Ouh, ça commence à compter ça. On a fait les paysans et on a fait les dames. Ouh.
Et j'appelle dans la famille la plus nombreuse, Caroline. Et alors la suivante, à mon avis, elle s'y attend pas, mais je crois qu'elle boit autant que moi. Est-ce qu'elle est... je la vois pas. Elle boit. Ah si, ça y est, je l'ai vue. J'appelle Kathleen. Alors, il y a une petite médaille, mais une toute petite. Elle a 15 ans, elle aura 15 ans le mois prochain, ça veut dire qu'elle l'a fait avancer un an. C'est mon petit bébé, c'est ma toute petite. Et oui, cette année-ci, elle a 15 ans et elle, je pense qu'elle va me succéder par la suite. J'appelle ma fille, Caroline. Alors bonjour à tous. Bonjour. Un nouvel exercice pour moi. Alors autour des gilles maintenant. Avant de remettre les médailles qui parlent d'année, on avait plusieurs personnes à mettre à l'honneur. Une première personne à mettre à l'honneur, c'est Roland. C'était lui remettre une médaille. Et pour rappeler à tout le monde que c'est un des premiers gilles à avoir fait le carnaval de Pessan, et pour ça on l'en remercie. Roland, nous t'attendons. Félicitations, Roland. Alors, je prends la parole. Pas de médaille, je voulais juste mettre à l'honneur deux familles. Il y a deux familles pour lesquelles trois générations sont présentes à faire le Gilles. La première, c'est la famille Quiberon. Ce sont trois générations à être là, je voudrais juste des applaudissements pour eux. Et la deuxième, c'est la famille Delay. Trois générations sont là aussi. Félicitations à eux. On rentre dans le vif du sujet. Parlons d'année maintenant. 5 ans. Le premier à avoir 5 ans, c'est Maël. Félicitations, Maël. La deuxième médaille de 5 ans, c'est pour Tanguy. Passons à 10 ans maintenant. Il s'appelle Alexandre Dubois. Je pense que la relève est assurée. 20 ans maintenant. J'appelle Guillaume, Guillaume Douillet. Continue l'affaire. Cette année, c'est une année spéciale pour deux personnes spéciales. La première s'appelle Roger Pert. Monsieur Pic, Roger Pic, rappelez-vous, mon beau-père, Roger.
Viens ici. Alexandre, on remet à l'honneur une personne spéciale pour les divers. 37 ans qu'il est arrivé à Pessant. 35 ans qu'il fait le gym. Un trésorier terrible. Je dis un trésorier terrible, merci parmi nous. Quelqu'un qui s'investit pour tout le village dans différents comités, qui est toujours là pour tout le monde. Pour sa famille, pour tous. Merci parmi nous. Félicitations. Je veux souligner que notre trésorier était là aussi dans les années où il y avait un peu moins de monde dans le comité. C'est lui qui l'a porté à bout de bras, à deux, trois ou quatre. Et pour tout ça, merci Fabien. Et deuxième médaille de 35 ans. Comme la pomme ne tombe jamais loin du pommier, demande de quelqu'un d'investi aussi, investi dans son comité, des bonnes vivantes. Et je peux avoir difficile d'aller plus loin, mais il dit félicitations. Médaille de 35 ans pour Caroline Hubert. Là, l'exercice est fini pour moi, je passe le micro. Eh bien, dis donc, pour vous remettre vos émotions, l'administration communale vous offre un petit verre pour fêter tout ça. Voilà, bon carnaval à tous.
Thank you.